Bon Eric, déception je pense ce soir après cette défaite contre le Revolution. Ouais, c'est pas un bon résultat pour le club. On devait chercher à gagner ce match. C'était très important pour le club. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais bon, c'est le football. C'est à 10 points maintenant de la 6e place qualificative pour les playoffs. Comment ça va se passer la suite de la saison maintenant que les playoffs semblent loin maintenant pour l'Union? Pour le moment, nous sommes là concentrés sur le championnat et la coupe. Bon, les deux, mais on prend les matchs de la même façon. On se donne la force, on ne regarde pas comme on est en finale de la coupe. Mais on se concentre ici sur le championnat. La coupe va vous aider à rester motivé à ramener le premier trophée à Philadelphie? Ouais, ça va vraiment motiver ici les fans, ça va donner confiance aussi aux joueurs et le club. Comme ça serait la première fois du club à remporter une coupe. Et nous prions énormément que nous puissions remporter cette coupe. Un petit point sur ta situation personnelle. On voit que tu progresses de plus en plus ici à Philadelphie. Comment tu te sens maintenant dans le groupe avec l'arrivée par exemple de Barnetta? Il peut représenter la concurrence un peu pour toi? Ouais, nous tous sommes les mêmes. On travaille dur, on bagarre pour notre place. C'est un bon joueur et j'apprends ici derrière lui. Bon, le staff et le coach, le manager me donnent aussi beaucoup confiance, me permet de beaucoup travailler. J'évolue, j'apprends toujours. Merci beaucoup, Eric. Ah, merci.